Bonjour chers amis, chers paroissiens et paroissiennes, nous qui arrivons le samedi saint, qu'on appelle la veillée pascale, et en cette veillée, nous pouvons lire l'évangile dans Saint Matthieu, chapitre 28, verset 1 jusqu'à 10. Le lendemain matin, lendemain sabbat, premier jour de la semaine, quand le soleil est élevé, Marie-Madeleine et Claude-Marie allent côté tombeau. Un seul coup, il y a un grand tremblement de terre, parce qu'un ange du Seigneur qui te descend depuis le ciel, te pousse sa rose qui gros et il te assise l'eau là. Il te couma un éclair, et se lèse te blanc, couma la lèse. Ben God qui te tellement peur, qu'il te commence à trembler, et je te vine pareil, couma djiboun mo. Ange la dit, ben madame là, pas gagne peur. Vous connaissez qui est le père de Jésus, les mêmes qui ben là fin crucifié. Il n'est plus là. Il fin ressuscité, pareil que moi de se dire. Rentrez, guettez, que je te mette sur les corps. Dégazez, al dire ce ben disciple, il fin ressuscité parmi ben mort, et il perd tant Galilée. Je peux trouver lui là-bas. Alors, c'est qui me tient là pour dire zut. Je sortis tout de suite dans le tombeau. Les cœurs remplis à la frayeur, et je suis dans la joie, une grande joie, en même temps. Je galopais pour l'annonce sa nouvelle-là, ben d'ici. À la que Jésus vint devant eux et disait eux, Shalom. Je te costais au lit, je trappe sur les pieds, et je t'adore au lit. Je disais eux, pas gain père, al dire ban frère, et que mon ban sœur, al Galilée. Là-bas, je peux trouver moi. À nous acclame sa bonne nouvelle. Chers amis, en ce samedi saint, 11 avril, la veillée pascale, nous pouvons lire dans la célébration ce soir, nous pouvons lire beaucoup de textes dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Un texte que nous pouvons écouter, d'abord nous pouvons écouter la Genèse, c'est l'histoire de la création. Quand bon Dieu fin créé de bons animaux, de bonnes plantes, et après il crée l'homme et la femme à son image. Et puis Abraham, le papa dans la foi, qui il peut écouter la parole que bon Dieu dit à lui, et il peut quitter sur la terre, il peut quitter sa famille, il peut aller dans un endroit que lui-même n'est pas connu. C'est pour ça qu'il nous dit à lui, le papa dans la foi. Après ça, quand nous finissons écouter Abraham, nous trouvons qu'il manière bon Dieu, nous pour continuer à envoyer ban messager, ban dimoun qui les choisir pour guider ce peuple quand le peuple a été égaré. Et là, nous écoutons l'histoire de Moïse dans l'Exode. Comment ce peuple a fini détourné de bon Dieu et comment Moïse pouvait nous sauver. Et malgré tout ça qui bon Dieu fin faire pour sa peuple là, nous continuer rebelle. Bon Dieu pas abandonne ce peuple. Les conserve même prophète cette fois-ci. Et nous pouvons lire Isaïe par exemple, nous pouvons lire Ézéchiel, nous pouvons lire Jérémie. Alors ce bon texte là rappelle-nous ce qu'on appelle l'histoire du salut. Ça veut dire qui manière bon Dieu dans l'histoire de ce peuple, il est toujours là, il est toujours présent. Jamais il finit abandonne ce peuple. Et avant de nous rendre dans l'évangile qui nous fait écouter dans Matthieu, chapitre 28, nous pouvons lire une parole dans Saint Paul. Lettre que Saint Paul t'avait ban Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Et dans ce texte-là, Saint Paul dit une parole, et sa parole-là qui vous pensez intéressant, qui nous arrête là. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Je ne connais pas. Que nous tous qui finissons baptisés dans le Christ, nous finissons baptisés dans ce l'amour. Par nos baptêmes, nous finissons enterrés avec lui et nous finissons partagés ce l'amour pour qu'il nous vive un nouveau la vie. Pareil comme le Christ finit ressuscité depuis l'amour par la gloire de ce Papa. Alors, qui ça veut dire ça? Qui Saint Paul nous le dit à nous? Qui ban texte nous le dit à nous? Qui l'évangile nous le dit à nous aujourd'hui? Ça veut dire que nous besoin amène un nouveau la vie. Nous besoin arrête
vivre comme je peux vivre avant. C'est pour ça que ce matin, moi, Vidjout, comme les femmes qui sont dans le tombeau, Marie-Madeleine et les autres femmes, je t'y trouve une rousse qui t'y fait rouler. Et l'ange qui t'y là, Jésus, a le dire, ben, d'ici, qui Jésus vient ressusciter, n'est pas ici. Je suis pas allé parler d'un cadavre. Je suis pas allé parler d'un dimon mort. Mais je gagne un message d'espérance. Et c'est ça qui me dit, Saint Paul qui dit, nous visons une la vie nouvelle. En ce temps que nous confinons de nous la case, nous invitons réfléchir. Nous finissons invités pendant tout ce carême. Réfléchir de quelque chose qui nous visait changer. Nous ne pouvons pas vivre comme avant. Et c'est pour cela que je pense qu'il y a une bonne rousse qui nous peut bien rouler dans nous la vie. Et là, je choisis, il y en a beaucoup de rousses. Je choisis quatre rousses qui me pensent qui nous peut bien rouler. Une première rousse qui nous peut bien rouler, c'est la discrimination. Le pape, quand il était venu Maurice, avant d'y aller, quand il était dans le château réduit là-bas, il était cause l'eau là. La discrimination. Comment dire, ne pas faire distinction entre du monde. Nous avons considéré tout du monde pareil. C'est ni mérité, ni gagné. Pas faire discrimination. Une deuxième rousse, je pensais qu'il nous faisait rouler, et ça l'évêque cause dit dans son lettre pastoral, il disait nous, nous faisait qu'il nous parle de l'élitisme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire par exemple dans l'éducation, nous, bien sûr, il y a des élèves qui sont brillants, mais pas tous les enfants qui ont la même intelligence. Mais ils sont intelligents quand même. Et nous pas, comment dire, laissent ceux qui sont moins intelligents les yeux derrière. C'est-à-dire qu'ils nous considèrent tous enfants comme des enfants qui ont un potentiel, qui sont capables de réussir toute la vie. Nous pas faire ça en élite et nous laissent ceux qui ne peuvent pas suivre des côtés. Un autre chose qui nous faisait aussi rouler, c'est pour nous capables de rentrer dans la lumière de la résurrection de la vie, c'est le fatalisme. Nous devons arrêter de dire, dit comme ça, nous ne sommes pas capables de faire n'ornier. J'ai fait là des pareils, nous ne sommes pas capables de changer ça. Non, au contraire, avec le ressuscité, nous devons prendre la vie en main. Nous devons croire que le passé, c'est le passé. Nous devons apporter là, guette l'avenir, avec le Christ ressuscité. Et un dernier rose pour moi, qui me pensait nous devons rouler encore, c'est l'indifférence. Je connais, dans ce monde que nous pouvons vivre, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, de choses qui peuvent détruire nos familles, peuvent détruire la société. Nous ne sommes pas capables de continuer comme avant. Je pense par exemple à la drogue, qui peut détruire ma famille. Et l'indifférence, c'est que nous disons, ça, dans mon famille, paye dans ça. Quand nous payons dans ça, nous indifférents, on est là. Nous disons ça pour les autres. Et ce carême, ce confinement finit de montrer nous quelle manière un élan de solidarité, c'est ça qui peut amener nous pour construire un monde meilleur. Alors, en cette veillée, à nous demander le Seigneur, faire qu'il nous capable prendre un nouveau départ, parce qu'il finit ressuscité et il appelle nous à vivre, il appelle nous à un changement pour le meilleur, pour tout un chacun. Alors, bonne veillée à vous tous. Et bon courage pour nous célébrer dans la joie la fête de Pâques demain, dimanche.